n'est pas défendu. Nous allons prendre... Vous brandissez, monsieur Bernalicis, le règlement, si vous souhaitez un rappel au règlement. Nous allons avoir l'avis de la commission, s'il vous plaît, madame la rapporteure. Voilà, nous avons un rappel au règlement. Monsieur Bernalicis, je me réjouis de comprendre comment... de voir que vous constatez, de vous comprenez enfin, pardon, comment fonctionne le règlement de notre Assemblée nationale. Vous avez la parole. Ah, regardez, j'ai tellement bien compris comment fonctionne le règlement, c'est l'article 64, qui dit qu'au cas où il y a un doute... Le rappel au règlement sur la base de quel article, monsieur ? 64. Ah. Non, non, 64, j'insiste sur le fait que s'il y a un doute sur un scrutain, on peut faire un revoter. Alors, on peut le rappel au règlement est sur la base de l'article 58 et vous faites référence à l'article 64. N'est-ce pas ? Monsieur Bernalicis, vous avez la parole. Oui, n'est-ce pas ? Je demande à ce qu'on refasse le vote sur l'amendement. Vous ne précédent. Demandez pas à ce que vous demandez à ce que le vote soit recompté. Le président de séance s'est évalué à peu près de peu la près, place, ouais. à peu près. De la place où il est, Monsieur Bernalicis, les résultats des scrutins et ainsi que cela a été déjà décidé et annoncé, l'amendement précédent a été adopté. Je vous remercie de votre intervention, Madame la rapporteure. Vous avez la parole. Pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment.